Bonjour à toutes et à tous, je me prépare pour 1h30 de route, direction le département de l'Eure, le 27, pour aller chercher les abeilles. Malgré toutes les vidéos que j'ai regardées, la pratique que j'ai reçue par l'apiculteur proche de chez moi et les conseils que j'ai pu recevoir, je vous cache pas que je suis un peu stressée quand même, surtout pour le retour et la mise en ruche parce que je n'ai pas pratiqué quoi, donc assez, on va dire, donc c'est surtout ça. Et la mise en ruche, au vu des températures, en plus que j'ai en ce moment chez moi, on a tout juste 12 degrés, donc pas chaud, pas chaud. Mais je vois le coup qu'il va falloir que je nourrisse les abeilles avec un nourrisseur sur la petite ruchette, quoi. Donc j'espère vraiment trouver un moment où il fasse assez chaud et puis pour pas prendre de risques quoi. Bon bah allez, c'est parti, je vous reprends au retour de la maison. Bon, ça y est, de retour à la maison. Ouf, tout était arrivé. Ça c'est bon, en entier, pas de caisse, rien, donc un grand stress de passé. Là, il me reste plus qu'à les mettre à leur emplacement définitif ce soir et demain on verra si on peut faire avec le temps, on peut faire le transfert. Pour le transport dans la voiture, je n'ai rien trouvé de mieux que le câbleau 500 d'électricien. Couper la bonne dimension pour pouvoir rentrer les deux rechettes dedans. Rien de mieux pour tenir ça. Je pense que les électriciens vont reconnaître ça. Mais ça, une petite sangle par rechette et vraiment tout tenait tranquillement, quoi. Donc là. Au moins, ça c'était vraiment stop, ça rentrait très bien, donc pas de souci. Demain, lors du transfert, si tout est possible, je pense qu'il y en aura sûrement des erreurs. Je vais essayer de me filmer demain pour pouvoir en plus m'améliorer et me corriger pour les prochaines fois. À demain! Bon, ça y est, il fait 16 degrés, tout est prêt autour de moi, j'approche tout en douceur. Un petit signalement de fumée, je peux ouvrir tout doucement pour contrôler. Bon, j'ai fait appel à un ami qui est un peu plus expert que moi parce que, afin de me superviser parce que je me sentais vraiment pas super à l'aise à le faire toute seule. Je prépare le cadre et la partition dans la nouvelle ruche. En douceur, je retire le premier cadre de la rechette et je le repositionne dans le même ordre. Et je répète la même opération pour la suivante.
Je place le nouveau cadre de cire. Je tape sur la rochette pour faire descendre les abeilles dans la ruche, mais j'ai pas l'impression que ça marche. J'ai pas dû taper assez fort. Il va peut-être falloir que je me remette à la muscu. Au vu des températures des nuits, en fait, je vais mettre le nourrisseur en place avec du sirop et je referme. Bon, ben, ça y est, les essaims sont dans les ruches. Maintenant, je peux faire un premier bilan à froid de ce que j'ai fait. Donc, concernant le transport, donc le câbleau 500, impeccable, nickel. Ça correspond vraiment aux dimensions de la rochette, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc comme je disais, bah, j'ai fait des erreurs, hein. La première, mes chaussures, baskets avec les chevilles non couvertes correctement. Ma vareuse devait avoir un petit jour parce que je me suis retrouvée avec une abeille à l'intérieur à la fin. Donc fort heureusement, elles ne m'ont pas piqué, donc... Ça, c'était dans les premières erreurs visibles comme ça. Dans la première ruchette, les abeilles m'ont fait une excroissance assez sympathique. La voici. Alors, plutôt sympathique l'excroissance, mais pour la première manipulation, ma premier transfert de ruchette, j'ai été obligée de demander à un apiculteur débutant proche de chez moi, quoi. Merci à lui de m'avoir aidé à la dernière minute comme ça. Vous avez sûrement vu ma serre derrière moi. Donc dans l'urgence, j'ai été obligée aussi de faire une ouverture à la va-vite parce que les abeilles restaient coincées en hauteur. Donc ça, j'ai encore un peu de bricolage à faire de ce côté-là, mais au moins elles ne resteront pas bloquées dedans. J'ai eu plusieurs commentaires sur le son de mes vidéos, donc je suis en train de voir pour un micro déporté. Le choix n'est pas facile et le premier qui est arrivé est déjà reparti puisqu'il ne fonctionnait pas, mais c'est un sujet en cours. Je rappelle que ce n'est pas un tuto, mais juste un partage d'expérience et afin de pouvoir m'améliorer et d'éviter à d'autres apiculteurs débutants comme moi de refaire mes erreurs, quoi, parce que si je peux servir à quelque chose, j'en serais très heureuse et on partage l'expérience tous ensemble. Voilà, bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!